Voilà, donc là, nouvel épisode dans lequel on va aborder un petit peu les avantages aussi de Moka, parce que Moka, c'est bien pour le rangement et l'organisation, c'est super, mais ça nous sert aussi dans notre quotidien pour trouver de l'inspiration. Alors souvent, des fois, on a des projets en cours, mais on veut pas les faire, on a des nouveautés qui arrivent, on a envie de jouer avec, mais on n'a pas forcément de projet précis dans la tête. Est-ce que ça nous empêche forcément de faire des choses et de pouvoir garder ces choses qui pourront nous servir plus tard, ou faire une technique avec des nouveautés en s'appuyant bien entendu sur les chaînes des marques que l'on achète. Donc ça, c'est complètement possible et Moka, c'est assez plaisant, c'est un peu comme un magazine finalement. Ça nous permet surtout de ne pas oublier du matériel, de réutiliser des tampons, de se dire ah tiens, j'ai celui-là, je vais pouvoir l'utiliser. Et voilà, de toujours avoir l'impression quand même de consommer tout ce qu'on a rentré dans nos affaires dernièrement ou pas, hein, ça peut être des anciennes collections aussi. Alors pour ça, donc je vais prendre mon organiseur. Alors je vais me baser uniquement sur les tampons clear là pour l'instant. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre aussi mon petit organiseur que j'ai appelé mes petites techniques. Donc ça aussi on reviendra là-dessus sur la partie personnalisation, comment on a fait avec des dies, comment on a pu personnaliser ça. Et puis avec les Easing Diamond, les pattes 3D, les teintures, etc. Donc on vous montrera comment faire pour personnaliser avec des dies et s'en servir comme pochoir. Donc là, dans cet organiseur A4, A5, que l'on peut aussi choisir au format A4, bien sûr, vous allez voir après, je vais vous dire dans quel cas vous allez pouvoir passer sur un organiseur A4. Ça, vous pouvez passer d'un organiseur A4 ou A5 au fil du temps, vous pouvez naviguer dans tous ces formats. Alors, dans cet organiseur, lorsque j'ai envie de faire quelque chose, c'est celui-ci que je prends parce que je sais que j'ai pas forcément de projet en cours, mais je vais pouvoir garder ce que j'ai fait, m'en servir après pour soit faire une carte, soit l'inclure sur une page, ou alors dans un art journal, un junk journal, etc. Donc c'est toujours des petits tests qui sont sympas et puis ça nous permet peut-être aussi d'avoir une évolution finalement de notre scrap et de se dire tiens, ce que j'ai fait il y a quelques mois ou voire même quelques années, parce qu'on peut avoir plusieurs organiseurs aussi qui nous servent d'archives, on peut voir un petit peu tout ça, donc ça peut être assez intéressant. Moi, ce que je fais, je suis toujours sur un organiseur A5 et j'essaie de garder toujours une hauteur A5 ou un format A6 que je peux ensuite couper en deux, mais ça me permet d'avoir quelque chose d'assez uni. Si je veux les relier au bout d'un moment et en faire un petit album, eh ben je peux les relier, je m'embête pas trop avec les formats en hauteur, etc. Donc c'est donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai à l'intérieur. Donc j'ai des petits essais qui peuvent ensuite se transformer en cas. Ça, c'était un challenge d'ailleurs chez Carabelle, donc j'avais fait. Donc voilà, j'avais une petite heure devant moi, je me suis dit tiens, allez, je vais tester la technique de ce challenge là. Donc je le garde. Ça peut s'inclure très facilement dans un art journal ou un junk journal. Là, je me suis vraiment amusée avec, alors sur les groupes des marques, alors marques françaises parce que j'y vais le plus souvent, mais vous avez des idées de réalisation et ça c'est vraiment super. On n'a peut-être pas forcément les tampons en question, mais on a notre organiseur A5, on a d'autres tampons et vous voyez avec le transparent, on peut vraiment s'amuser à essayer de reproduire la même chose. Alors bien sûr, quand on a les tampons en question, qu'on vient de les avoir, c'est beaucoup plus facile, mais j'ai fait pas mal de petites choses. Je me suis amusée. Je les ai pas forcément fait pour une raison particulière, mais ça pourra toujours me servir à un moment donné. Et puis, c'était vraiment très intéressant de pouvoir tester ces nouveautés, de travailler la colorisation. Au niveau de la colorisation, moi, je suis restée sur de l'aquarelle, mais vous pouvez faire au feutre à alcool ou autre. Mais c'est vrai que ça fait un peu d'entraînement aussi. Ça nous met le pied à l'étrier et puis ça nous permet de nous entraîner. Là, par exemple, j'ai un petit test en cours. Ça aussi, c'est des chutes. Ça, c'était des ateliers. Je crois que c'était Azoline. J'avais fait celui-là. Ah, ça, c'était aussi un atelier. Là, c'est marqué. C'était Garo Scrap, l'atelier avec Pink Lola en février 2021. Et j'avais noté un petit peu, j'avais mis des chutes de ce qu'on avait fait et de la technique, des techniques utilisées. Donc ça me permet de revoir un petit peu tout ça.
Ici, j'ai testé aussi ces nouveautés. Là, j'avais des tests pour Halloween. Là, c'était l'atelier Garoscra, pareil, février 2021. Donc ça, c'était l'encre et l'image. Donc j'avais noté un petit peu, j'avais fait un nuancier de ce que j'avais utilisé, comment j'avais obtenu mes nuances, etc. Les techniques utilisées. Là, on a des petits tests, voilà, de dessin, etc. Ça, c'est encore Azoline. Ici, après, j'ai copié, en fait, la réalisation pour m'entraîner. Et je trouve pas que ce soit... alors, c'est bien de dire hein, qui on a copié, bien entendu. Mais quand on sait pas ou quand on n'a pas forcément d'idée, je trouve ça vachement bien, en fait, s'appuyer sur une réalisation. Et puis, au fur et à mesure, on se détache un petit peu du modèle initial et puis on cherche et on trouve par nous-mêmes un petit peu d'autres façons de faire. Alors derrière, j'ai encore plein de choses hein, que j'avais fait il y a des mois, donc des tests, ça c'était petit lutin aussi. Mais ça, c'est des choses que je peux reprendre aussi, je peux greffer des choses dessus. Enfin, vous voyez, j'ai fait pas mal de tests et je les garde, hein, ces tests-là. Donc là, il y avait Azoline aussi, alors ça, celui-là, mais par contre, je peux reprendre l'envers. Ça aussi, là pareil, ça c'était un atelier, je crois, avec atelier Anna Bondu aussi. Ça c'était mes petits cours d'aquarelle, etc. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses que l'on va pouvoir réutiliser. On n'a pas forcément d'idée pour le moment de ce que l'on va en faire, mais ça fait vraiment tout un petit récap. De ce qu'on a fait les derniers mois, on peut s'appuyer dessus pour démarrer un album, pour démarrer une page, reprendre des choses que l'on a faites et de se dire, bah tiens, parce que ça a une connotation un petit peu hivernale fin d'année, mais je peux très bien le refaire avec une connotation peut-être automnale, ou printanière ou estivale, etc. Et pour ça, justement, lorsque j'ai à choisir, notamment sur le principe du cache, parce que là, j'ai beaucoup utilisé la technique du cache. Donc, dans mon organiseur, ici, j'ai une petite pochette à 5 dans laquelle j'ai mis deux feuilles. Alors, ça peut être des feuilles d'imprimante. Moi, je les ai prises un tout petit peu plus rigides pour que je puisse les sortir assez facilement. Et j'ai mis, donc j'utilise les caches avec des post-it, et j'ai mis tous mes caches ici sur une feuille blanche. Ce qui fait que quand j'ai envie de réutiliser les tampons, j'ai pas besoin de les redécouper parce que ça m'énerve profondément. Donc du coup, je les garde. Ça me fait ma petite banque de caches. Et voilà, je gagne du temps aussi pour mes réalisations à faire de cette façon-là. Là, j'en ai une autre d'ailleurs qui ne rentre pas. Elle est un petit peu hors champ, mais voilà, je l'aime beaucoup. Ça aussi, je me suis appuyée sur une réalisation et j'avais les tampons en question, donc du coup j'ai pu le faire assez rapidement. Mais par contre, quand j'ai pas les tampons en question, j'ai mes feuilles transparentes, j'ai mon organiseur. Alors c'est valable aussi, même si vous n'avez pas de, si vous les avez pas fait sur feuilles transparentes, vous pouvez aussi voir et se vous dire, bah tiens, je vais essayer de mixer tel ou tel tampon. C'est vrai que sur feuille transparente, c'est beaucoup plus facile de se décider. Par exemple, là, j'ai la petite pelonne de laine. Je me dis, tiens, je vais peut-être mettre le petit chien derrière. Ici, qui dépasse. Et puis, je peux enchaîner les couches, etc. Alors, on l'a peut-être pas fait, vous l'avez peut-être pas fait au départ, ce genre de choses. Moi, il y a des choses que j'avais pas faites non plus sur transparent parce que, ben voilà, je l'avais pas forcément anticipé. Donc, à chaque fois que vous prenez une collection, faites sa fiche sur transparent. Moi, je les relis avec du masking tape. Alors, le masking tape, je n'ai pas forcément de couleur ou je respecte pas un code couleur. Je prends le masking tape que j'utilise le moins, finalement. Et puis, je relis ma feuille blanche et ma feuille transparente. Alors, là aussi, des fois, vous avez des questions. Pourquoi on le fait sur feuille transparente et sur feuille blanche? Souvenez-vous, donc dans quelques épisodes précédents, quand vous faites le tri, ça vous permet de couper et de réutiliser la feuille transparente pour des nouveaux produits. Alors, si vous êtes aussi, vous pouvez faire des pages. Des pages, c'est vraiment un format sur lequel on peut vraiment s'amuser, notamment sur des fonds, etc. Donc moi, par exemple, je pourrais très bien avoir un organiseur A4. Puisque là, je suis sur des formats assez standards. Je me suis entraînée sur une page A4. J'ai voulu faire une page et utiliser des tampons que j'avais envie d'utiliser. Donc moi, je suis plus sur des formats A4. Hein. Je trouve ça plus facile à ranger. Par contre, vous pouvez très bien être sur un format 30-30. Et donc prendre une mallette 30-30 pour ranger vos pages.
Vous avez aussi la place dans votre mallette 30-30 de mettre un organiseur A4 aussi. Donc vous pouvez faire des pages 30-30, des pages A4, des choses sur A5, A6, etc. Donc là, vous êtes au complet au niveau des formats de ce que vous voulez faire. Donc soit celle-ci, j'utilise un organiseur A4 et j'utilise la partie A4 derrière pour stocker mes pages. Soit je prends une mallette A4. Qui me permet aussi de les stocker. Si je veux les protéger en fonction, si vous avez du relief sur votre page, vous pouvez aussi, vous voyez, je l'ai fait sur une page de récup. Ça sert toujours et c'est toujours possible de cacher ce qu'il y a derrière en recollant un papier dessus. Donc là, je vais la mettre à l'intérieur de ma mallette A4. Et ce que je peux faire aussi, sans utiliser forcément de protège-organiseur, mon organiseur A5 rentre également à l'intérieur. Donc je peux tout avoir au même endroit. Voilà, donc par exemple celle-ci, j'ai utilisé la technique du cache pour déjà préparer une base de composition finalement. Et les caches, je les retrouve ici. Donc ce qui me permet, lorsque j'ai, alors surtout sur un thème en particulier, mais par exemple celui-ci, vous voyez, je peux très vite le remettre sur ma carte. Celui-ci aussi. Alors celui-ci, je ne l'ai pas tout à fait découpé parce que j'avais pas forcément besoin d'avoir tout découpé. Non, c'était celui-là, pardon. Hop. Voilà, donc là, je peux continuer aussi avec la cheminée, mais j'ai toujours les caches à disposition. Alors bien sûr, au bout d'un moment, on en a peut-être un peu trop. Vous faites le tri aussi dans vos caches à un moment donné, mais... C'est une bonne façon finalement de se dire bah tiens je vais le faire au lieu de se dire ah bah non il va falloir que je refasse des caches et puis j'ai pas très envie là et puis en plus j'ai pas le temps. Du coup voilà, petite astuce aussi d'avoir des caches à disposition. Ces caches là, vous pouvez aussi utiliser les clickbox 13 cm. Vous pouvez aussi vous adapter. Si vous en avez beaucoup et si vous faites beaucoup de techniques du cache, vous pouvez aussi prévoir ici, dans une empile box A5, vous prenez soit une médium ou une fine, vous découpez des papiers aux dimensions des boîtes, et puis vous superposez à l'intérieur, peut-être par collection ou par thème, ou ce genre de choses que vous utilisez le plus, vous pouvez prévoir les caches pour vos réalisations. Vous irez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, donc après, c'est des choses que je peux tout à fait inclure dans des pages. Par exemple, imaginons que j'ai des pages. Je peux très bien inclure ça dans un album. Je peux la plier, je peux la redécouper. Ici, ça aussi, ça peut faire une base. Alors là, je les ai pas faites dans le même sens, mais je peux très bien les coller les unes aux autres, trouver et puis faire un album avec toutes mes réalisations. Je peux faire ça par année, par exemple, me dire, tiens, en 2020 ou 2021, j'ai fait tout ça, ou j'ai eu l'idée de faire tout ça, j'ai fait ces techniques-là. Et voilà, ça me fait comme une banque, finalement, de réalisations. Je peux aller piocher dedans et trouver de l'inspiration, c'est surtout ça. Parce que souvent, moi, ça m'arrive souvent, j'ai envie de scraper. J'ai pas forcément envie de faire un projet complet. J'ai pas forcément le temps. Et puis, j'ai juste envie de tamponner, de coloriser, de faire une petite... petite scénette finalement, une petite carte ou autre, et voilà, ça permet d'aller très très vite. On n'a qu'à sortir notre organiseur, ou nos organiseurs, ou la mallette, si on est sur des pages A4, ou la mallette 35, si on est sur des pages 30-30, mais ça permet d'aller assez vite. Et ce qui justement nous permet, mais d'aller vite, c'est le choix. C'est de choisir avant de faire. Si on se dit, j'ai une heure, mais d'abord je vais rapatrier tout mon matériel et je vais choisir ensuite, il y a des fois on n'a plus envie de faire parce qu'on voit toute la dose de matériel et puis on se dit, oh là là, il va falloir que je choisisse maintenant. Alors que ça, vous pouvez le faire même en mangeant le soir ou devant la télé, vous prenez vos fiches et vous regardez, vous faites vos petits, vous faites vos petites compositions en disant, tiens, je vais utiliser ce tampon, vous les trouvez rapidement, vous trouvez tout ce qu'il vous faut, 49 et 50 violets,
Vous pouvez même déjà préparer des choses la veille pour le lendemain. Et vous vous dites, voilà, je suis prête à attaquer dès que j'ai un petit moment. Donc, voilà l'utilité vraiment de Moka. Une source d'inspiration pour choisir. Et donc, quand on choisit avant, on va beaucoup plus vite pour réaliser tout ce qu'il faut. Donc voilà encore une autre façon d'utiliser les organiseurs Moka, donc rangement, organisation, ok, mais aussi comme un catalogue finalement, comme si vous preniez un magazine et que vous cherchiez des inspirations. Du coup, ça nous permet aussi de faire tous les formats, hein. Vous avez vu, A6, même A7, A5, des pages A4, des pages 30-30, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut mixer entre les mallettes A4, les mallettes 30-30, les organiseurs A5, les organiseurs A4. Tout ne reste pas figé. La mallette 35, si vous ne l'utilisez plus pour ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose. La mallette A4, c'est pareil. Les organiseurs, vous pouvez mixer entre A4 et A5 tout au long de l'année. C'est vraiment pas figé et puis ça s'adapte vraiment à votre progression dans votre loisir et surtout en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, allez, on se dit au prochain épisode. Ciao, ciao !